Notre diététiste animal et nos vétérinaires se sont mis ensemble pour pouvoir élaborer une diète qui permet de nourrir les animaux avec la nourriture d'ici, mais on va essayer d'imiter le plus possible ce que l'animal aurait besoin dans la nature. Donc, Mais ça leur prend un peu plus de temps. Donc, tous les animaux ici, c'est nous autres qui gérons les euthanasies. Donc, les lapins, ils arrivent vivants de chez un fournisseur. Puis, dès qu'ils arrivent, on va les euthanasier. Nos poussins aussi, ils arrivent vivants. Donc, on reçoit des lots d'environ 2000 poussins. On en garde quelques-uns pour faire des poulets. Mais tous les autres, on les euthanasie également le jour même. Puis, vous avez vu en rentrant notre élevage de rats et de souris. Ben, ça, C'est rare qu'on garde les bébés parce qu'il y a toujours un risque de consanguinité entre les petits, quand ils viennent adultes, avec leurs parents ou frères et sœurs. Donc, on évite ça. Si jamais il y a une possibilité de consanguinité, l'animal ne restera pas avec nous. Si jamais, par exemple, on a un couple qui ont des bébés et que le couple adulte décède, malheureusement, ça se peut qu'on garde les bébés parce qu'il n'y a plus de risque de consanguinité. On n'échangera pas le bébé inutilement, là. Quand que nous avons des petits, on transfère ça à d'autres zoos. Hein. Les zoos, ils mettent une liste de surplus, une liste d'animaux qu'ils veulent acquérir. Donc, c'est de cette façon-là qu'ils font des transactions. Entre zoos, c'est pas des, on n'est pas compétiteurs, là, on s'entraide entre zoos. Là, on est vraiment là pour la santé des animaux, hein, le bien-être des animaux. La première étape, c'est la quarantaine. Comme on a vu tantôt, tout animal passe par une période de quarantaine. Quarantaine, ça vient de 40 jours, mais ça ne veut pas dire qu'il passe tous 40 jours en quarantaine. Ça dépend des espèces. Il y en a qu'on a des quarantaines imposées, comme notre éléphant, quand il est arrivé en 2013. Ça a été plusieurs mois de quarantaine. Ça a été imposé par le gouvernement fédéral. Donc ça, ce n'est pas nous qui décidons. Puis on fait les tests qu'il faut pendant cette période-là pour justement déterminer si cet animal-là arrive ici avec des parasites, des bactéries, des maladies. Et puis, il faut soigner ces maladies-là parce que si on veut l'introduire dans la collection animale, même s'il est solitaire, qu'il ne vit pas en contact direct avec d'autres animaux, comme les gardiens s'occupent de cet animal-là, puis après vont en rencontrer un autre, il y a toujours une possibilité de contamination. Les plus dangereux, les tigres, ils rentrent à l'intérieur la nuit. Comme il n'y a personne la nuit pour réagir rapidement en cas d'urgence, quand je dis urgence, je parle par exemple des forts vents, une grosse tempête qui pourrait briser le parc de l'animal, puis que l'animal pourrait sauver ou pourrait se faire blesser par un arbre qui tombe. Personne ne pourrait réagir rapidement. Le jour, c'est facile, on est tellement une grande équipe. Il n'y a personne la nuit parce que c'est pas nécessaire d'avoir quelqu'un pour faire les soins la nuit. Les animaux nocturnes vont être nourris le jour, vont peut-être manger la nuit. Donc, on va les rentrer à l'intérieur pour être sûr qu'il n'y ait pas de risque pour leur santé, leur sécurité. Ça dépend des espèces. Si on prend par exemple les éléphants qu'on a rencontrés tantôt, les éléphants, on a vu leur pavillon qui était en arrière complètement. C'est le pavillon de nuit, d'hiver. Donc, quand ça commence à être trop gelé au sol, trop dangereux pour que les éléphants... pour éviter qu'ils glissent, ils vont rentrer à l'intérieur. Donc, c'est pas nécessairement le froid le problème pour les éléphants. C'est vraiment le gel par terre. C'est sûr que s'il fait moins 20, ils seront pas dehors. Parce que ça peut être dangereux. Mais en Afrique, dans la savane, ça peut descendre proche de zéro. Donc, on vérifie ça, là.